fait d'aviatrice, qui coûtait 15 ou 20 euros. J'ai expliqué au vendeur que je venais d'écrire un roman qui parlait d'un mec qui vit dans les avions. Alors il m'a fait à 7 euros. Alors ce soir, comme ça je me mets un peu dans la peau de mon personnage. Alors je vous résume vite fait, il s'appelle Yann Orion, il est steward chez Air France, il prend sa pré-retraite, il trouve un article dans Le Canard Enchaîné qui parle de Van Gogh, c'est son peintre préféré. Il va acheter son livre et il se trouve dans un jeu de loi parisien complètement paranoïaque. Voilà l'histoire. Alors, j'ai mon anti-sèche, là, j'ai préparé mon anti-sèche. Alors, l'avantage avec ce livre par rapport aux autres, l'avantage pour attention par rapport aux autres livres ce soir, c'est qu'il a pour marraine une girafe. Une girafe. À cause des éditions du coup de la girafe, chez qui mon Yann Orion va être publié. Or, comme vous le savez tous, la particularité de la girafe est d'être un quadrupède avec un très long cou et aussi, surtout, d'être un mammifère au régime herbivore et donc d'avoir le caractère le plus pacifique qui soit. Donc, je ne gaspillerai pas ma salive ce soir à attaquer avec une agressivité féroce et carnassière les autres candidats ici, surtout que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour eux, d'autant plus que Botule est hors d'atteinte dans Attention, où il figure baronnement perché au sommet de la tête de la girafe. Ça, je l'ai acheté à la brocante d'Ali pour le jour sous la pluie, là-haut, le lundi de Pentecôte. Et Botule, il se... Attendez.